Welcome, ladies and gentlemen. Good afternoon. My name is Amir Benyamed. I'm the CEO of the Jeune Afrique Media Group and chairman of the Africa CEO Forum. The World Policy Conference and Thierry de Montbrial has kindly asked me to chair this panel. It's a very big responsibility, especially since we're the closing panel after 3 days of heated debate. So we have big responsibilities to keep you alert for this last panel. And it's a very big responsibility because we will try to answer as simply as possible a question that is not so simple to answer. So it's not so simple, first, because from Johannesburg to Alger, from Nairobi to Lagos, these countries have different issues, different challenges, and they will also are facing, they are also facing some new geopolitical change, a new geopolitical landscape that is shaping the world for the next decades, and we still have some difficulties to understand how it will affect Africa. And we have also some cross-cutting issues, such as climate change, such as artificial intelligence, that will be critical to the standard of Africa, to the standing of Africa and the rest of the world. So it's a very important, very complicated question to answer, but it's a very important one, probably because Africa has one of the most important targets in terms of development goals, but it has also some of the most pricing, most promising resources to capitalize on it to reach these targets. They have renewable energy, they have minerals, and most importantly, they have human resources. We have spoken a lot about the demographic dividend. Africa is finally capitalizing on it. So to answer this difficult question, we have a great lineup of experts. And I will switch to French now, because most of our panelists are French-speaking, are francophone. So we'll start by introducing Lionel Zinsou. Lionel Zinsou is the co-manager of Southbridge. C'est la première, l'une des premières banques d'affaires consacrées, dédiées à l'Afrique. Lionel Zinsou a été également le dirigeant de l'un des plus grands fonds d'investissement, PAI Partners, et a aussi eu une carrière politique importante, puisque vous avez été Premier ministre du Bénin. À sa gauche, nous avons Bertrand Badré. Bertrand, vous êtes le fondateur et dirigeant de Blue Like One Sustainable Capital, qui est un fonds d'investissement... Blue Like an Orange, please. Blue, ah oui, oui, Blue Like an Orange Sustainable Capital, qui est un fonds d'investissement impact. Vous avez été aussi dirigeant du... au sein du groupe de la Banque mondiale. Vous avez été directeur général et vous en avez été le directeur financier. Nous avons le général Francis Béanzin, qui sera notre monsieur sécurité aujourd'hui. Vous aurez cette lourde responsabilité. Vous êtes un spécialiste donc, des questions de sécurité. Vous êtes ancien commissaire aux affaires politiques au sein de la CDAO. Et vous êtes aujourd'hui président du réseau mondial des professionnels de sécurité et de défense pour la prévention et la lutte contre le terrorisme. À votre gauche, Jean-Michel Severino, vous êtes le fondateur d'IEP, investisseur et partenaire. C'est l'une des plus anciennes entreprises de private equity à destination des petites et moyennes entreprises en Afrique. Et vous avez été le directeur général pendant près de 10 ans, je crois, de l'Agence française de développement. Et enfin, notre dernier expert qui sera là plutôt pour nous parler de gouvernance, puisque vous êtes... c'est votre expertise, Maître Robert Dossou. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes avocat au barreau de Cotonou, vous êtes actuellement président de l'Association africaine de droit international et vous avez également une carrière politique puisque vous avez été ministre du Plan et ministre des Affaires étrangères au Bénin. Nous avons deux représentants très éminents du Bénin. Bienvenue à tous, merci pour votre participation. Alors, vous allez avoir une lourde responsabilité de répondre à cette question qui est très complexe. Je vais essayer de... alors, certains des modérateurs ont imposé entre 10 et 7 minutes de réponse. Je vais être un peu plus drastique
Et je vais essayer d'imposer 4 minutes de réponse pour vous permettre de parler régulièrement et d'échanger et de venir sur les nombreux sujets qui composent cette question. On va commencer par une petite question générale qui est que depuis les années 2000, l'Afrique s'est inscrite dans un narratif d'un continent à forte croissance, à fort potentiel, avec un secteur privé en pleine expansion. Ce narratif a été étayé par des chiffres excellents que Lionel va pouvoir nous citer, parce que je sais que vous pouvez tout nous réciter par cœur aujourd'hui depuis les années 2000. Jusqu'à l'épisode Covid. Et l'épisode Covid a quelque part marqué une pause dans ce narratif, presque un renversement, puisque nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation dans laquelle il y a un renforcement des problèmes d'insécurité. Nous avons eu 5 coups d'État, principalement dans la région francophone, des conflits, guerre civile au Soudan, en Éthiopie. Et donc, ce narratif est de nouveau brouillé par un certain nombre de reculs sur les sujets de gouvernance, sur les sujets de sécurité, sur les sujets économiques, puisque maintenant on est dans une crise économique globale où on se pose la question de comment l'Afrique va continuer à financer ce développement. Et je voudrais vous poser à chacun d'entre vous une question assez simple et assez générale. Quelle est votre perception actuelle du continent? Quelle est votre perception actuelle de l'évolution de ce narratif? Est-ce que nous sommes dans une crise de croissance? Est-ce que nous sommes dans une pause, dans une espèce de transition? Comment vous pouvez expliquer à notre audience ce que vous percevez de la situation du continent aujourd'hui?